tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 17 décembre. Donc on est à une semaine de Noël déjà. L'année, elle est passée super vite, c'est un truc de malade. Mais elle a quand même été très productive. En tout cas, trop contente de toutes les collabs, tous les projets qui ont pu aboutir cette année. Et espérons que l'année prochaine soit meilleure. Donc vous, de votre côté, j'espère que vous allez bien. On est vraiment à une semaine de Noël. Comme vous pouvez voir un petit peu derrière, ma mère, elle a un petit peu décoré. Cette année, on n'a pas mis de sapin. Ça fait quelques années déjà qu'on ne met plus trop de sapins, mais ma mère elle a juste fait de la déco comme ça derrière. Donc c'est bientôt Noël et j'ai pas du tout acheté encore tous mes cadeaux Noël. Il me manque pour tout le monde, je crois. Je sais pas vous comment c'est de votre côté, je sais pas comment je vais faire. Je vais plus regarder sur internet, etc. parce que j'ai vraiment la flemme de sortir. Moi, aller faire du shopping et tout, surtout avec un masque pendant des heures et tout, et avec le monde qu'il y a dans les centres commerciaux, surtout juste avant les fêtes. Du coup, je vais faire tous mes achats sur internet. Donc là, j'ai vraiment attendu la dernière minute parce que j'ai eu vraiment pas mal de travail. J'ai pas vraiment eu le temps de me concentrer sur les cadeaux. Du coup, c'est ce que je vais faire ce soir et demain. C'est trop cool parce que je pourrais m'occuper à fond de mon site. Et j'ai dit que j'ai pas acheté de cadeaux de Noël, mais j'ai acheté le mien quand même. Je vais vous montrer. Je pense que vous avez vu sur Instagram et tout. Attendez, je vais vous montrer. Donc c'est mon cadeau de Noël en avance de mois à mois. Il s'agit de l'iPad Pro. Et franchement, je l'ai là depuis quelques jours et j'utilise que ça. Limite, j'utilise plus mon téléphone ni mon ordinateur. Mon ordinateur juste pour les montages et mon téléphone pour les messages, etc. Mais vraiment, l'iPad, c'est hyper pratique. C'est un truc de fou. Je l'utilise aussi juste pour m'occuper de mon site et tout. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir modifier mon site, etc. En plus, j'ai reçu l'iPad en un jour. J'ai acheté sur Amazon et c'était en Prime et c'était moins cher. Je l'ai pris en 1 Tera parce que vraiment j'en avais besoin, etc. J'ai pris l'Apple Pencil aussi pour pouvoir écrire, etc. Et c'est beaucoup plus pratique. Franchement, c'est un hyper bon investissement, enfin surtout pour mon cas. Enfin, j'ai regardé, genre j'ai pas acheté comme ça, hein. Je me suis dit que ça allait beaucoup m'aider pour mes deux entreprises. Du coup voilà, vraiment c'est trop bien. Je peux tout mettre à l'intérieur et ça m'évite d'avoir des cahiers, des feuilles partout, etc. Je mets tout là-dedans. J'adore vraiment ce truc là. Donc très bon cadeau de Noël. Voilà, c'est mon petit cadeau de Noël. Je suis hyper contente. Et voilà, donc si jamais vous recevez un iPad pour Noël, franchement vous avez vraiment de la chance parce que c'est vraiment très bien. Nous, en parlant des cadeaux de Noël, je vais tous les faire en ligne. Et j'ai aussi des bons plans, donc un super bon plan à vous partager parce que ça va vous servir aussi si jamais vous n'avez pas encore fait vos cadeaux et si vous êtes une personne comme moi qui achète que en ligne. Franchement, vous allez faire des économies de fou. Je sais pas du tout si vous connaissez le site Letyshop. Donc en fait, c'est un site qui permet de récupérer un pourcentage de vos achats en ligne. Donc grâce au cashback. Ce qui est trop bien avec Letyshop, c'est qu'ils ont plus de 3000 partenaires. Donc ils ont Asos, Boohoo, Shein et vraiment plein d'autres. Donc c'est vraiment hyper pratique. Moi, je vais faire des petites commandes sur Asos, je pense. Il y a même d'autres catégories, il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi les voyages, les réservations d'hôtels, genre booking et tout, enfin c'est trop bien. Donc en gros, les Letyshop, ils ont un site et une application. Je vais vous montrer l'application sur mon iPad. L'inscription est gratuite, vous n'avez rien à payer du tout. Il suffit juste de vous inscrire votre mail, votre mot de passe. Vous commandez par exemple sur Asos, je sais pas, 50 euros. Vous avez un pourcentage de vos achats qui est remboursé sur votre compte Letyshop et vous pouvez récupérer votre cagnotte, minimum 10 euros. Il suffit d'atteindre 10 euros et vous pouvez transférer ça sur votre compte bancaire. Donc c'est vraiment trop bien. Donc c'est un site super sécurisé, ça fait 6 ans qu'ils sont sur le marché. Si jamais vous utilisez mon lien que je vous mettrai en barre d'infos, votre première semaine vous avez des gains plus élevés de cashback, donc faut en profiter. En plus c'est la dernière ligne droite avant Noël et tout. Si jamais vous avez des derniers achats à faire avant Noël et tout, c'est vraiment le bon plan. Vous aussi vous pouvez partager votre lien à vos amis, enfin vos proches, etc. Si jamais vos proches s'inscrivent avec votre lien et qui dépensent 20 euros minimum sur un des partenaires, et bah vous recevez 5 euros chacun sur votre cagnotte Letyshop. Donc Letyshop, hop. Donc là c'est la page d'accueil, donc comme vous pouvez voir il y a plein de catégories différentes. Et du coup sur la première page vous pouvez voir qu'il y a des cashbacks qui sont plus élevés. Regardez Boohoo, vous avez 15%, Fantastique vous avez 25%, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, sur la première page il y a toujours des cashbacks comme ça. Après vous avez vraiment plein de sites, donc franchement n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien en barre d'infos. Franchement ça prend une minute à s'inscrire, c'est gratuit, il n'y a vraiment rien à payer. Et ça va vous faire des économies tout au long de l'année, tout au long de votre vie même. Donc voilà. Qui se prend-elle celle-là? Yeah! Lizzie Roddy! Wow. Thanks! Wow! This shit! Ah, mais elle te vaut alors du coup? Ouais. Regardez ma classe, moi, comment je suis habillée. Ok! En plus, j'ai dit que si ces bottes me vont, je pouvais m'acheter la robe. Une robe. Ah, regarde. Donc, comme elles me vont, bah, je vais m'acheter une robe. Ouais, elles sont grave belles, genre. Ouais, t'as vu? Je te vois le book. Le facteur, ils viennent juste de passer en plus. Donc, voilà. Elles sont hyper confortables, mec! Genre, on dirait que j'ai les chaussures plates. Non, moi je préfère mes chaussures UGG. Oh. Non, mais voilà quoi. These are incredible, bro. Waouh, regarde, on peut courir avec. Genre, c'est des baskets le truc, c'est des baskets.
Du coup là Amandine a fait la Victoria's Secret dans la maison avec ses nouvelles chaussures. Comme d'habitude quand j'ai des nouveaux talons. Ouais non mais elles sont grave belles ces chaussures. Donne la référence, y'a pas un nom. Non c'est que pour moi, désolée. C'est Pull&Bear et elle coûte que 50€. Franchement c'est pas cher, allez acheter. Bah, moi c'est les Sirondi qui mettent mes baillettes. Ouais mais les Sirondi je l'adore. Petit iPad hein. Voilà, super bien. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai reçu dernièrement niveau make-up, etc. J'avais été aussi contente pour un projet de ma vie. Je vais vous présenter juste quelques petits trucs make-up que j'ai reçus dernièrement. Je les ai mis dans un sac carrément. Non, je voulais pas oublier. Par contre, mes ongles, ça va pas du tout parce que genre les repousses, regardez. En fait, j'ai trop la flemme de prendre rendez-vous pour me les faire. Parce que maintenant, j'ai plus de shooting, j'ai plus rien à faire. Donc je suis free. Ça veut dire free Amandine? Yeah. Ah déjà mon rouge à lèvres. Faut que je vous montre mon rouge à lèvres. C'est le 1944 et c'est le Ah oui, c'est le Pure Matte crayon lèvres Colette. Donc franchement il est super bien. T'es sérieuse là? Il est super bien, je l'adore. Regardez mes lèvres. I love my shoes. J'adore. Ensuite, je vais vous montrer d'autres trucs. Bon, la lumière me met pas en valeur là. J'ai reçu des produits phyto. Donc phyto, j'aime bien en ce moment. On prend tous les gélules qu'ils nous ont envoyées là. C'est des gélules pour les cheveux et les ongles. Et franchement, je trouve que mes cheveux ont grave poussé grâce aux gélules phyto. Donc voilà, j'ai pris pendant un mois et demi je crois. Aujourd'hui j'ai oublié de les prendre, il faut que je les prenne. Bref, donc il y a petit shampoing anti-frizz aussi. Il y a marqué anti-frizz, donc je sais pas si c'est vraiment frizzé. Parce que moi j'ai quand même des frizzotis et tout. Mais je sais pas si c'est vraiment frizzotis, mais genre ça fait des trucs comme ça. Du coup, enfin c'est pas lisse, genre... Enfin voilà, je sais pas ce que je veux dire. Ensuite, gelé brushing. Ah mais ça c'est bien, ça c'est comme... Ouh, gelé brushing anti-frizz. Mais ça c'est trop bien ça. Oh mais on voit rien du tout. Ah voilà. Ça a l'air super cool ce truc. Ensuite, nous avons soin retouche anti-frizzotis. Ça a l'air pas mal ça aussi. Waouh. Oh mais ça c'est trop bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Exactly what you need. Non, mais regarde. Oh, regarde, vous voyez là, les petits cheveux comme ça. Attends, on voit pas. Les trucs comme ça, et bah ça. Ah, ça recouvre. Mec. Non, ça moi. Regardez. Un petit truc comme ça. Regarde, tu fais ça, et après tu fais ça. Ouais. Bah, je pense que c'est ça. Genre, tu mets le produit et tout, et après, tu fais des trucs comme ça là pour que ça recolle tes cheveux. Mais ça, c'est génial ça. Normandie, c'est génial. Quand je te dis, c'est génial. Bon, la lumière elle est horrible là. On va peut-être vous mettre là. Avec le fond de ma mère qu'elle a fait. Voilà, en tout cas, phyto, super bien. Ils m'ont donné aussi une petite pochette. Amandine, t'as eu la pochette aussi, je crois. Ouais, trop belle. Trop belle la pochette. Enfin, c'est une petite. On dirait une petite pochette Gucci. C'est une petite trousse comme ça. Et à l'intérieur, il y a une pince à épiler, une petite lime à ongles, un petit élastique comme ça. Et un miroir miroir brosse, ça c'est vraiment trop bien ça, j'adore. Voilà. Du coup voilà, j'aime beaucoup. Merci Phyto. Moi aussi merci Phyto. La collection de Noël Laura Mercier. Donc là, un kit, vas-y montre, t'as le droit de montrer. Alors ça c'est un kit de pinceaux, moi aussi je l'ai reçu. Ils sont trop mignons les pinceaux quand vous les ouvrez, regardez. J'ai pas vu, ils sont trop tout petits, hyper chou. C'est dans une petite pochette comme ça pour offrir, c'est trop cute. Donc tu fais hop. Vous avez un kit de pinceau comme ceci. Voilà, j'adore. Et ensuite la palette de maquillage. Non, ça c'est vraiment, vraiment super stylé. Je filme pas trop dans ma chambre en fait parce que ma chambre, comment vous dire, c'est un entrepôt Amazon. Tellement il y a des colis partout. Genre c'est même plus une chambre. C'est vraiment un entrepôt. Du coup, la palette, Laura Mercier, mais elle est vraiment incroyable. Attendez. Regardez-moi cette beauté. Donc déjà, voilà. Vous ouvrez. Là, vous vous demandez pourquoi c'est comme ça. Pourquoi le miroir est en bas. Et en fait, il y a un autre compartiment avec highlighter, blush, bronzer. Donc vraiment incroyable cette palette, j'adore. Et regardez les fards, magnifique. Ensuite, on a reçu ce kit-là. Donc c'est une crème pour le visage et une crème pour les yeux. Donc à tester, hein, parce que Laura Mercier, j'adore leur poudre, elle est vraiment pas mal. Et enfin, ce petit rouge à lèvres. Alors là, regardez, je vais vous ouvrir le rouge à lèvres, vous allez voir comment il est beau. Mais regardez-moi le rouge à lèvres.
En ce moment, je reçois plein de rouges à lèvres comme ça de toutes les marques. Parce que comme c'est bientôt Noël et tout, ils veulent faire genre paillettes, tout ça. Oups, là, on voit mieux. Vous voyez comment c'est beau? Oh là là, j'adore. Enfin, j'ai reçu 4 rouges à lèvres Mars. J'ai reçu plein d'autres colliers et tout, mais je les ai déjà présentés sur TikTok et tout. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que je poste quand même assez régulièrement. Du coup, voilà, il s'agit des rouges à lèvres comme ceci, ça fait comment ça? VIP Audacious Lipstick. Super beau, donc il y a plusieurs teintes. Merci beaucoup à toutes les marques de m'avoir envoyé des produits. Enfin, toujours trop contente hein, de recevoir des produits. C'est un truc de fou. J'ai hâte de pouvoir tester. Donc voilà, là il faut que j'aille à la poste pour déposer des colis. Parce que j'ai des colis à déposer. Il fait tellement froid dans cette vie. Là je suis dans la voiture. Ça fait trop longtemps. En fait je crois que j'aime plus sortir dehors. Genre c'est ma phobie, j'aime plus. Genre avant j'aimais bien quand même, mais un minimum quoi. Mais non, j'aime plus sortir dehors, ça me saoule. Moi franchement chez moi je reste que dans ma chambre et tout. Ça me dérange pas hein. Je travaille de mon lit, je fais mes montages de mon lit. Enfin je fais tout de mon lit. Enfin, franchement je crois que je peux vivre sur 2 mètres carrés quoi. Le seul moment où je bouge de ma chambre, c'est pour aller à la douche, me manger, faire mes postes, puis c'est tout. J'ai plus de vie sociale, voilà. Regardez le petit Raikou. Oh, il est cute. Mais pourquoi il est enfermé? Eh ben non. On va lui ouvrir. En fait, mes parents l'enferment quand ils partent. Parce que, enfin, moi, je m'en occupe pas. Mes parents n'aiment pas le laisser seul en bas, en liberté, quand ils sont pas là. Parce que quand il y a personne en bas, voilà. Mais voilà. Vas-y, Raikou, tu peux sortir. Raikou. Il aime trop faire sa vie dans le salon, lui. Hein? Toi, t'as une belle vie, hein? Tu sais pas ce que c'est, hein, la caméra, là? Tu te vois, là? Oh, regarde, il se voit. Oui. Tu te demandes ce que c'est? Oh, il est trop cute, Raikou. Il a même un placard que de bouffe à lui, ce gros porc. Ah. Raikou? Un plus gros sachet. Il est trop chou ce lapin. Des fois quand je m'assois sur le canapé, il vient me croquer le crâne. Un Raikou. Ouais, ma mère elle lui met toujours un garçon comme ça parce qu'il kiffe. Genre il aime trop se poser et puis après il bouge plus. Bon, on va le laisser un petit peu, il va sortir automatiquement. Là il faut absolument que je trouve des cadeaux de Noël. Parce que ça devient problématique. Je vais chercher sur mon iPad. Super pratique, j'adore. Je vous montre plus en détail mon iPad parce que je voulais pas montrer sans la coque. Donc moi j'ai pris une coque qui m'a coûté 15€ sur Amazon avec un compartiment pour ranger le stylo, la Apple Pencil. Voici l'iPad. Donc de base je voulais acheter le clavier aussi, mais je me suis dit non, achète pas le clavier maintenant. Genre tu testes d'abord avec le stylo et avec les mains et tout, et après le clavier tu verras. Si jamais un jour je l'achète, c'est pour faire des montages sur l'iPad, mais on verra. Du coup voici l'iPad. Du coup il fait 1 teraoctet. Donc 1000 Go et je l'ai payé 1304€. Et sur le site Apple, il est à 1445. Donc franchement, comme si j'avais eu l'Apple Pencil gratuit et la coque. Donc voilà. J'ai aussi acheté une vitre. Là, elle est un petit peu crado et tout. En fait, c'est un écran protecteur. Fait exprès que quand vous écrivez avec l'Apple Pencil, ça a un ressenti comme du papier. En plus, ça bloque aussi un peu la lumière, les reflets de lumière, etc. Donc, il est hyper fin. Par contre, si vous l'avez sans coque et que vous le faites tomber, mais c'est sûr qu'il s'explose tellement c'est... tellement c'est fragile. Voilà, en tout cas ça m'aide beaucoup pour écrire ce que j'ai à faire, regarder et signer des contrats, regarder des PDF, etc. Enfin, regarder même des films et tout. Franchement, c'est l'iPad trop bien. Je pensais pas que ça allait être aussi utile que ce que je pensais. Voilà, le stylet il se recharge avec l'iPad en fait. Il y a un aimant juste à côté. Et du coup, voilà. Si vous avez un iPad, n'hésitez pas à me conseiller des petites applications, etc. Si jamais... il y a des trucs cool, donc voilà. Mon père il rentre des courses et encore il dit tout le temps qu'il a des cadeaux pour moi. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça, sérieux? Une poubelle. C'est une poubelle ça. Plus gros que ton avenir. Et là on dirait une machine à gloss. Non, ça, mais en fait vidange de l'eau. Ah ouais, waouh. Incroyable. Et là il a dit que c'était du jus anti-covid. Ça c'est pour nettoyer le toit. Ouais, anti-champignon. Covid.
Sinon, moi, je suis en train de poster mes stories pour Farfetch. Voilà, je suis en train de faire ça. J'étais en train de chercher les cadeaux, mais en fait, il était 18h et je devais poster. Du coup, voilà. Mon nouveau Jacquemus, il est trop beau. Je vais faire un haul luxe prochainement que je vais poster avant Noël, je pense. Donc ce sac-là, je l'ai eu sur le site Farfetch. Donc si vous connaissez pas Farfetch, c'est un site où ils revendent plein de marques de luxe. Et j'ai un code promo de moins 10% si jamais ça vous intéresse. Le code promo marche avec un minimum d'achat de 150€ jusqu'au 31 décembre. Voilà, donc c'est pas sur toutes les marques, mais il y a quelques marques où ça marche pas, genre Chanel, Louis Vuitton, etc. Mais sinon, pour la plupart des marques, le code fonctionne. Et je trouve qu'avoir un code promo sur des marques de luxe, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Voilà. Regardez, le Bitcoin, il est à... Genre je regarde depuis 2018 que j'avais mis. Genre j'avais mis à l'époque de l'argent vers là. Ici, donc là c'était le pic historique. Donc j'ai mis là. Il est actuellement à 19 000€. Ensuite j'ai mis là. Et quand ça a commencé à baisser, j'ai pas enlevé parce que je me suis dit que ça allait augmenter un jour ou l'autre. Du coup, vers ici j'ai racheté. J'ai racheté, ça c'était vers mars, quand j'ai vu que tout se cassait la gueule, je me suis dit, c'est le moment de mettre. Et maintenant, j'ai un trop bon instinct moi quand il s'agit du business, je suis très forte. Nouveau jour aujourd'hui, donc nous sommes vendredi, donc fin de la semaine, bientôt le week-end. Donc j'espère que vous allez encore tous très bien. Donc programme du jour, je vais terminer les dernières commandes que j'ai à faire pour mon site, pour les expédier aujourd'hui avant 19h. Et puis je vais toujours à la boîte postale. Quand j'ai d'autres trucs à faire avant 16h, je suis obligée d'aller à la poste normale. Je vais faire tous mes colis, passer à la poste et ensuite faire les photos pour mes nouveaux produits. Je vais montrer un petit peu les nouveautés qu'il y aura sur mon site. Franchement, j'adore. Alors, je vais vous présenter les petites nouveautés. Donc, ça va être trop cool. J'ai trop hâte de faire les photos et tout. Comme vous avez pu voir précédemment sur mon site, j'ai mis la chaîne Nova. Donc, c'est une chaîne qui fait 15 mm d'épaisseur. C'est une chaîne en acier inoxydable peint d'une couche de plaqueur. Voilà, donc c'est de la très bonne qualité. On sent qu'il y a du poids, genre. Du coup, voilà. Donc la chaîne Nova, et je vais mettre en ligne deux nouveautés. Donc il s'agit de deux autres chaînes comme ceci. Donc, en fait c'est quasi la même, sauf que celles-ci elles font 12 mm d'épaisseur, celle-là c'est 15. Et j'ai ajouté la couleur argent, donc c'est vraiment trop bien pour les personnes qui m'ont demandé. Et je vais aussi bientôt ajouter normalement, pas sûr, celle-ci en 15 mm mais en argent aussi. Voici les chaînes, vous pouvez voir la différence de taille. Comme vous pouvez voir, pour les deux chaînes en or, c'est deux déclinaisons d'or. Celui-ci tire un peu plus vers le jaune que celui-ci. 15 mm et 12 mm. Du coup, voilà pour les petits colliers. J'ai pas encore donné des noms. Quand je fais les photos, c'est là où je choisis les noms et tout. Ensuite, nous avons une nouveauté. Alors ça, je suis trop contente parce que j'ai pas beaucoup de bracelets sur mon site. Enfin, j'ai trois déclinaisons, mais c'est un modèle. Il y en a plusieurs que je vais ajouter là. Donc c'est la même chaîne que la 12 mm. Donc voilà, le bracelet, l'épaisseur, c'est 12 mm. Et c'est réglable. Donc vous pouvez l'attacher comme ceci et voilà, c'est réglable sur environ 3 cm du coup vraiment trop joli. J'adore ce bracelet, trop beau, trop hâte. Ensuite, en collier, nous avons ce modèle-ci. Alors celui-ci, je suis trop contente parce que c'est une version améliorée du collier Union que j'avais sur mon site. Donc je l'avais en or et en argent. Malheureusement, pour l'instant, il ne pourra pas être remis en stock. Pas pour le moment, mais peut-être dans le futur. Du coup, je vais vous présenter cette nouvelle version. Donc pour l'instant, elle sera juste en or sur le site. Mais j'essaierai de mettre de l'argent aussi. Donc il s'agit de celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, il ressemble au collier Union, sauf que c'est la chaîne qui est différente. Donc la chaîne, elle est comme ceci. J'aime beaucoup, trop joli. Voilà le petit modèle. Donc je suis trop contente. Il est trop beau ce collier. Il sera réglable aussi. Je mettrai toutes les mesures de toute façon en description de chaque article. À chaque fois que vous savez pas trop les mesures et tout, il faut regarder en description. Je mets toujours les mesures, les matières, etc. Des conseils et tout. Du coup, voilà pour la version améliorée du Union. Ensuite, dernier collier. Il est vraiment trop beau celui-là. Vraiment trop beau celui-là, j'aime beaucoup. Donc c'est un pendentif ours. Pareil, hein, pour les matières, c'est de l'acier inoxydable recouvert de plaqué or 18 carats. Petit ours comme ceci, donc la chaîne est assez longue. Donc voilà, il fait comme ça sur moi au plus court. Vous pouvez le mettre un peu plus long jusqu'ici. Mais après, pour ce collier, si jamais vous le voulez plus court, etc., il suffit de me DM sur le Instagram ofcarel ou l'écrire en remarque sur votre commande si vous voulez la chaîne plus courte. Enfin, vous me dites le nombre de centimètres et je peux vous régler ça. Tout ours, il est trop
cute, franchement je l'aime trop. Il est trop beau et mis avec d'autres colliers chaînes, etc. En mode superposé et tout, enfin franchement j'adore. Et pour vous prévenir aussi que le collier Twin Sister est de retour en stock. Donc le Twin Sister en fait c'est le collier avec les deux têtes de panthère. Donc voilà, ces colliers là c'est moi qui les fais main. Du coup si jamais ça vous intéresse, je vais sortir plusieurs modèles de bagues. Il y en a 4 en tout. Les bagues seront disponibles en taille S, M, L. Pour les mesures, je vous mettrai toujours tout en description. Je vais les mettre superposées comme ça. Pareil, hein, c'est acier inoxydable et plaqué or. Comme ceci. Donc voilà pour les modèles de bagues. Donc elles seront toutes disponibles en taille S, M, L. En fait en description de chaque bague je mets les millimètres intérieurs de la bague. Donc il suffit juste de mesurer par rapport à une bague que vous avez déjà chez vous. En général le 16 mm c'est du S, le 17 mm c'est du M et 18 mm c'est du L. Il y a aussi du XS pour certaines bagues mais pas pour celles-ci. Donc elles seront vendues à l'unité et peut-être que je ferai des packs à plusieurs. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le dernier collier qu'il y aura sur le site. Pour l'instant celui-ci au niveau de la mesure je sais pas encore, il faut que je le raccourcis je pense, mais il s'agit de ce collier-ci. En fait il ressemble à une pierre de silex. Vraiment trop beau celui-ci. C'est pas de la vraie pierre hein. C'est beaucoup plus léger. Il faut que je fasse les photos etc, mais que je vois aussi au niveau de la taille. Je pense que celui-ci vous pourrez choisir la taille de la chaîne aussi, mais il sera vendu plutôt court que long. Enfin on verra. En dernier j'ai oublié de présenter aussi ce bracelet. Donc ceci. Donc en fait il ressemble au Cool Girl. Il a le même mécanisme de fermeture en fait. Il suffit juste de le glisser comme ça, donc il est vraiment très réglable. L'argent aussi avec des pierres de zirconium. Du coup voilà, de toute façon vous verrez tout en détail en photo etc. Et je vais essayer de faire les photos assez rapidement. Du coup voilà pour les nouveautés, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, là j'ai presque plus de batterie, je vais faire toutes les commandes qui sont à faire et je vais les expédier. Et ensuite je vais revenir pour faire les photos. Je vous ai pas présenté aussi mes nouvelles pochettes Off Carel, enfin elles sont arrivées la semaine dernière. J'avais grave des soucis de livraison, mon fournisseur a eu pas mal de problèmes etc avec son transport. À chaque commande qui n'ont pas eu les pochettes où il y avait marqué Off Carel dessus, bah, j'ai donné un cadeau. J'ai envoyé un mail à chaque client pour dire comme quoi, bah, comme ils n'ont pas eu de pochette Off Carel, et bah, j'ai donné un cadeau en plus. Donc c'était soit un make-up. Du coup, voilà pour m'excuser parce que je donnais juste des pochettes en velours noir sans inscription. Et comme j'en avais plus du tout en stock, parce que en fait c'était pas prévu, je devais recevoir cette commande bien avant, mais ça a été retardé de ouf. Et j'avais déjà des commandes, du coup j'étais obligée de les expédier. Du coup. Voilà, donc là je les ai enfin, donc en fait c'est des pochettes qui sont bleues, je voulais vraiment changer de couleur, genre je pense que je changerai régulièrement de couleur, mais là je voulais trop tester ce bleu là, bon là on le voit super mal sur la vidéo, mais en vrai c'est un bleu, je sais pas comment expliquer, là il est bizarre en vidéo, mais en vrai il est grave stylé. C'est des pochettes en velours à clips comme ça et c'est carré, du coup c'est plus pratique pour faire, pour plier les papiers de soie etc. Il y a la petite inscription dessus comme ça, donc trop contente, je les ai enfin. Elles sont grave de bonne qualité et tout, elles sont hyper douces et tout. Personnes qui ont commandé à la période où j'avais plus de pochettes et qui ont reçu la pochette en velours noir, bah du coup j'espère que vous êtes quand même contents du cadeau que je vous ai mis dans votre commande. Du coup voilà, c'était pour m'excuser de pas avoir les pochettes, mais voilà pour mes petites pochettes. Donc direction la poste, 8h20, là j'ai pris un petit peu de retard, c'est la première fois que genre j'y vais aussi tard, enfin ça fait longtemps que j'y suis pas allée aussi tard. Voilà, j'ai eu plein de trucs qu'il fallait que je fasse avant la fin du... enfin avant le week-end, parce que genre sinon après ça va me stresser. Du coup voilà, bref, je vais y aller parce que je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Donc là il est exactement 22h il me semble. Avant de terminer ce vlog je voulais vous présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui. Du coup il y a quelques semaines j'ai fait les ventes privées Saint-Laurent sur internet. C'est un ami qui m'a invité, j'ai pu commander pas mal d'articles. Je reçois le reste lundi, là j'ai juste deux petites paires comme ceci. Donc je voulais juste vous montrer les modèles, je vous montrerai le reste sur Insta ou quoi. Première paire de chaussures, il s'agit de cette paire à talons. Donc bon, j'ai acheté pas mal de paires de chaussures. J'ai des mariages l'année prochaine, du coup je me suis dit c'est peut-être l'occasion de prendre des chaussures. Bref,
Donc première paire, donc c'est comme ceci, elle est trop jolie. Marron à plateforme, donc c'est assez haut, mais c'est assez confortable, donc j'aime beaucoup. Elle est trop jolie la paire, ça va être une de mes préférées de ma commande. Une autre boîte, ici c'est des bottines à talons, comme ça. Il me reste encore une commande qui arrive lundi, donc j'essaierai et puis je vois ce que je garde et ce que je garde pas. Comme c'était les ventes privées, genre tout était hors stock très très vite, du coup il fallait vite commander, etc. Mais du coup, voilà quoi, donc je vous montrerai le reste plus tard. Mais en tout cas, je suis super contente de cette paire. Je voulais juste vous montrer ça avant de terminer ce petit vlog, parce que là je vais faire du montage, je vais chercher le restant de mes cadeaux de Noël. J'ai fait la moitié hier et il me manque une partie, du coup il faut que je m'active parce que c'est la semaine prochaine. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.